fait download depuis Play Store, depuis App Store et depuis Huawei App Gallery. L'application Blink il commençait par donner la possibilité de tout d'entre nous qui est dans un compte en banque. Venir ce compte en banque avec l'application Blink. Et compte en banque, il est capable avec n'importe qui la banque de mon pays. Et l'utilisateur est capable avec n'importe qui opérateur du BCV. Donc, il régner ce compte à banque avec son application et de là, il est capable de faire une transaction. Plusieurs transactions, il est capable de payer un utilisateur Blink directement le jeu de numéro, indépendamment qui réseau de PCR et indépendamment qui la banque de numéro. Il donne la possibilité par l'utilisateur scan tout QR code qui est dans le monde. Et vous dire bien, tout QR code qui est dans le monde, c'est dans environ 6000, aussi longtemps que ce QR code-là, approuvé par la BOM, pour écrire vos mots à code. Il donne la possibilité à l'utilisateur pour payer ce bill. Ce bill est bill ce prochain. Payer ce bill MTM, payer ce bill courant, éventuellement ce bill CWBA et puis c'est les autres billes. Faire recharge de votre portable, depuis votre famille, mais aussi gagner ma breaking news et ma news qui fait faire l'actualité dans Maurice, nos autres applications. Et Blink apporte aussi beaucoup ce qu'il appelle Rewards and Discounts et la liste de vos participants qui donne à l'utilisateur quand vous payez par Blink beaucoup de discounts à travers le monde. Ça, aujourd'hui, c'est la phase 1 de Blink. Nous permettons encore plusieurs les autres possibilités et bonnes features pour qui dans l'avenir, bonnes utilisateurs capables de gagner une possibilité de faire beaucoup plus d'affaires avec nous. Donc Blink, ce n'est pas juste une application de paiement, c'est beaucoup plus de ça. Et ça, un utilisateur, il n'est pas payé non, il est pour les transactions. Il scanne un QR code, il n'est pas payé non. Il peut aussi donner la possibilité de faire des transactions instantanément. Depuis un compte à banque, un autre compte à banque, pour le moment, ça c'est gratuit. Éventuellement, il faut 1 roupie par chaque 100 roupies que vous pouvez mettre à un maximum de 25. Donc, vous pouvez croire, vous mettre 2500 roupies pour payer 25. Sinon, vous payez 1 roupie par chaque 100. Ban Merchant, certainement, si vous avez une commission pour utiliser ce service, vous ne pouvez pas dire où Ban Chifra, là, mais vous pouvez dire où. Plus que 50% moins cher que ce que vous payez. Donc pour Van Merchants, c'est une façon pour eux d'aller au contactless payments, digital payments, et dans un QR code à moindre coût. Et ouvert à n'importe qui de nous qui sert une application de paiement en Maurice, aussi longtemps qu'il est approuvé par la banque de Maurice. Donc il est capable d'utiliser la Blink, il est capable aussi d'utiliser notre. Déjà, quand il fait une liste de 3 derniers mois, pardon, il y a beaucoup d'utilisateurs qui parlent de Blink, qui servent beaucoup de gens pour faire plusieurs pays. Qui va en apporter la banque? Non, nous ne pouvons pas parler avec la banque. Nous allons la plateforme Instant Payment Switch qui est la pièce de la Banque de Maurice. Toute la Banque de Maurice a une obligation pour connecter eux avec le Instant Payment Switch. Malheureusement, aujourd'hui, pas toute la banque qui donne la possibilité de faire l'argent rentrer d'un compte et sortir d'un compte. Nous avons 8 la banque aujourd'hui qui connecte nos actes publics.